Salut la team! Alors, vous allez tous bien bien? Ouais. Oh, toi? Tu? Ça va? Tu es sûr? Bon, voilà, on va essayer de passer un bon petit moment quand même. Hein? Bon, malgré que le sujet est un peu délicat, mais je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais avant, je voudrais savoir si vous avez vraiment... Oui, si vous avez vraiment tout préparé pour être tranquille, pour qu'on commence la vidéo. Parce que moi, le sujet-là, comme je vous dis, je vous ai en déjà parlé. Ouais. Le porta-potty. Oui, je vous refais une vidéo sur ça. Non, c'est pas parce que... Non. C'est parce que j'ai trouvé une, je sais pas, parce que tout le monde a des comptes, tout le monde a des chaînes, donc on va dire une influenceuse qui parle de sa vie, qui raconte quand même maman célibataire, qui fait des petites vidéos comme ça, et elle a un compte sur TikTok. Donc, je vais vous dire, hein, parce que c'est une personne qui fait des vidéos, donc c'est des vidéos, c'est pour qu'elle soit vue, donc il faut que je la mentionne aussi, hein, parce que c'est elle qui a trouvé ça, donc c'est pas moi qui apprendre les fruits de son travail, c'est elle qui dénonce cette chose-là, elle s'appelle, alors je vais peut-être mal le dire, hein, j'espère que je ne vais pas mal le prononcer, Son blaze, c'est son compte TikTok, hein, parce que j'ai pris ça sur TikTok. Alors, c'est Mia Kalesi avec deux E. Kalesi avec deux E. Kalesi, ouais. Kalesi, ça fait deux E. Kali, ouais, normalement, I, ça dit I, deux E. Bon. Alors, normalement, c'est Mia Kalesi. Alors, c'est une TikTokeuse qui est une TikTokeuse et puis YouTubeuse aussi. Qui raconte qu'elle... Il y a aussi Maïsan aussi qui a sorti ça dans TPMP par laquelle j'ai mon micro-ambulant, par laquelle elle aussi, elle avait reçu un mail il y a quelques jours d'une annonce. Et bien sûr, elle disait rien, mais il a fallu qu'elle dise à Mathieu Delormeau, et vous savez bien, Mathieu Delormeau, quand il y a un scoop ou un truc à dire, hop, ça balance. Hein. Donc du coup, il a dit, oui, Maïsan, elle a fait lire un truc, c'est chaud, les sommes d'argent qu'il demande, c'est astronomique et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé une influenceuse youtubeuse, une tiktokeuse, on va dire une influenceuse, et qui explique dans une vidéo qu'elle a reçu, elle aussi, oh mince, qu'elle a reçu, elle aussi, un email. Alors, au début, elle a reçu des messages pour une collab. Donc, du coup, comme elle dit, elle a répondu tout ça. Mais vous allez voir, hein, c'est quand même hallucinant l'approche qu'ils font. Hein. Parce que vous savez, là, le scandale qu'il y a, c'est qu'il y a eu des noms de certaines influenceuses françaises, africaines et tout ça qui sont sorties sur la toile et tout ça. Moi, dans ma vidéo, comme je vous avais dit, moi, je connaissais pas les influenceuses africaines, donc je pouvais pas dire, je relayais, mais je pouvais pas dire si c'était vrai ce qu'elles faisaient ou quoi. Et pour nos influenceuses françaises, je vous avais bien dit que ça m'étonnerait, surtout celles qui disaient les jumelles, tout tralala. Comme je vous dis, encore escorte, accompagner le mec ou quoi que ce soit, et puis s'il est super mignon, pourquoi pas coucher avec, mais franchement, être des toilettes portatives, moi j'ai jamais cru ça. De certaines, oui, mais nos influenceuses de télé-réalité, non. Comme je vous disais, faut pas toujours tout leur mettre sur le dos aussi. Faut pas toujours dire, voilà, ça y est, bah, c'est cela. Oui, il y en a certaines, mais certaines ne veut pas dire toutes, et ne veut pas dire celles qu'on connaît le plus. Voilà, c'est celles qu'on connaît le plus, on va la retaper sur les doigts.
Non, 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 c'est pas correct. Et du coup, comme on peut comprendre que tu peux te faire avoir, parce que les sommes sont tellement, tellement, tellement astronomiques, et c'est tellement tourné d'une façon, bah, que t'as rien à craindre. C'est dit d'une façon dans le mail que tu vas pouvoir tout avoir, mais qu'il faut juste accompagner quelqu'un, voilà, dans ci, dans ça. Mais ils ne disent pas vraiment, vraiment ce qui est caché en dessous. Je vais vous mettre l'explication de l'influenceuse, on va dire la TikTokeuse, influenceuse, TikTok. Je sais pas, parce qu'elle est sur YouTube, elle est sur TikTok, elle doit être sur Instagram, elle doit être sur Snapchat, elle doit être sur, elle est sur TikTok, donc elle doit être partout. Donc quelle étiquette, on va y mettre influenceuse, puis voilà. Donc je vais vous mettre, elle explique hein, comment ils sont venus la contacter, comment ce qui est écrit dans les messages, dans le mail et tout ça. Je vous mets avec elle, mais bien sûr, avant. Ah, parce que ça fait 3-4 fois que je te vois passer sur ma chaîne, que je te vois regarder mes vidéos, jamais jusqu'au bout, ça oui. Et tu likes pas, et tu t'abonnes pas, mais tu reviens. Mais tu reviens, allez, saute le pas et abonne-toi, il fait partie de la Team Sawyer. Et puis allez, likez, hein, ça par contre, hein. Eh, je me casse le cul à travailler pour vous. Je ne dis pas ça pour tous ceux qui likent, merci à vous, merci. Mais je dis ça aux autres, bah dis donc alors, on like pour donner de la force, la motivation. Allez, donc je vous fais écouter l'influenceuse qui explique les messages qu'elle a eus et tout ça. Et hop, moi je vais vous lire les messages. Heureusement qu'elle est écrite parce que c'est écrit en anglais. Et l'anglais et moi, ça fait tout ça. Allez, hop, je vous mets ça. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez sûrement entendu le scandale du Dubaï porta-porti. Je sais même plus comment ça se dit, porti-porta, je sais plus. Mais je sais que ça fait que de tourner ces temps-ci sur les réseaux. Et je vois que d'ailleurs, les gens qui en parlent, bah, il y a beaucoup de personnes qui en parlent justement parce que ça génère des vues, etc., etc. Oui, on va pas dire le contraire aussi. Hein. Moi, comme je vous dis, moi, je suis une chaîne de relais. Alors, et vous pouvez regarder, je vous relaye. Pas que de, pas que, il n'y a pas que du truc qui fait du buzz. J'essaye de vous relayer tout, hein, même les choses qui font pas de buzz, j'essaye de vous les relayer. Mais c'est vrai, pas se mentir, que si on en parle, c'est qu'en même temps qu'on se dit, on va avoir des vues. Hein. Faut être honnête aussi. Hein. Moi, j'avais pas du tout envie de parler de ça, mais fallait que je prenne la parole parce que il m'est arrivé quelque chose il y a même pas il y a quelques jours là justement, alors qu'on est en plein dans ce scandale et fallait que je le partage avec vous. Je pense que vous allez très très rapidement comprendre. Donc en fait, j'ai reçu un message sur ma messagerie Instagram d'un compte. Je vais vous mettre le message en question pour une collaboration. Bon, du coup, le filtre, il s'est enlevé, mais je vous laisse le message. Voilà, c'est un message qui était en anglais. Donc voilà, en gros, c'est une opportunité de collaboration. Ils sont extrêmement intéressés par mon profil et ils me demandent mon mail. Donc voilà, je vous laisse avoir le message en entier. Et en fait, c'est par rapport à une mission sur Dubaï. Donc je leur demande c'est quel type de collaboration. Ils me disent que c'est une mission sur Dubaï. Donc voilà, ils me redemandent mon email ou mon WhatsApp. Bon. Voilà, je me dis, c'est bizarre, je regarde le profil et le profil, en fait, il n'y a rien sur le profil, il y a juste marqué agence secrète basée sur Genève, Londres, Moscou et je ne sais plus quelle autre ville, et Hong Kong, voilà. Agence secrète. Agence secrète déjà. Donc voilà, il n'y a aucune... Donc voilà, il n'y a aucune photo, rien, il y a juste un logo et c'est tout. Donc je me dis, curieuse, je vais donner mon mail. Donc suite à ça, j'envoie mon mail et il m'envoie un email. Donc je vais vous mettre bah, l'email en question. Je pense que la vidéo sera assez longue, donc je pense la faire en deux parties.
Ah oui, j'ai effacé le nom parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait des personnes, notamment des jeunes filles, qui envoient des messages, voilà. Donc, ils me disent qu'ils sont une agence de luxe, en fait, qui offre un accompagnement de qualité aux gentlemen de l'élite et aux célébrités locales et internationales. Donc, en fait, ils m'expliquent ensuite, là, qu'ils étaient connus, ils ont toujours été connus dans la haute société et que c'est principalement le bouche à oreille qui fonctionnait. Ensuite, ils me disent qu'ils font des rendez-vous en fait internationaux et qu'ils ont des bureaux à Londres, Dubaï, Monaco et à Hong Kong. Donc voilà. Ensuite, vous savez quoi? Comme le mail est assez long, je vais faire une traduction complète du mail que je vais écrire parce que là, c'est difficile quand il est derrière. Je vais vous faire la traduction complète et je vais faire une partie 2. Salut à tous. Non, vous avez vu, hein? Mais ce qui est bien caché, parce que il y a eu le témoignage, je l'ai pas. C'est bizarre que je l'ai pas machiné. Ah bah oui, c'est vrai, comme j'ai un deuxième portable, maintenant je les envoie pas, parce que comme ça j'ai juste à vous les faire voir, mais j'ai pas noté sur lequel site que j'avais pris ça. En fin de compte, c'est le témoignage d'une jeune fille qui a apparemment, doit avoir reçu les mêmes emails et tout ça, il a répondu aussi, il a été aussi. Ça s'est pas du tout passé comme il y avait. La première journée, ça s'est passé exactement comme qui s'est passé dans le mail, vraiment. Elle a été, paf, voyage, tout, champagne, tout, mais vraiment à la classe, vraiment, riche de chez Richman. Hein. Tout, voiture qui a le chauffeur qui l'attend, tout, l'hôtel. Tout après les boutiques, elle s'achète ce qu'elle veut, il n'y a aucune limite, tralala, mais franchement. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'ils lui font signer un contrat de confidentialité avant, avec le chauffeur, par laquelle que tout ce qui se passera, elle n'a pas le droit de le dire sous peine de. Je ne sais plus ce qu'elle a dit, sous peine de. Soit qu'elle doit l'argent ou soit que elle est en prison ou je sais pas. Vous savez, c'est comme c'est des personnes qui sont très 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 riches, des milliardaires. Donc vous voyez un peu le truc. Donc voilà, il y en a beaucoup qui se font avoir parce que c'est des mails cachés, vous allez voir. Vous avez déjà entendu, vous allez écouter le mail. Mince, est-ce que je vous l'ai mis? C'est le mail que je vous ai mis là. Le mail qu'elle a reçu après. Et c'est hallucinant. Et franchement, c'est normal. Ça fait perdre la tête aux jeunes filles. Comme je vous disais, les sommes sont tellement astronomiques. Attendez, surtout une personne qui a vécu dans la misère, qui a jamais vécu dans, qui a toujours été prévu, privé, qui a jamais eu de marque à l'école, qui a toujours été rejeté par ses compagnes parce qu'elle n'avait pas habillé comme ça, qui a toujours manqué soit de ci, soit de ça, de nourriture, de trucs de ça. Et là, franchement, les sommes, vous allez voir. Alors, je vous mets maintenant, elle est en train de lire l'email qu'elle a reçu. Hop. Dubaï, porte à portier. Donc, du coup, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite. C'est toujours, excusez-moi, c'est toujours Maya Galési. Hein. Galési. Je pense que je me trompe, mais ça s'écrit. Elle l'a pas fait, hein, sa vidéo YouTube, elle est encore pas faite. Hein. Là, je crois que c'est son TikTok, je crois que c'est son YouTube, je crois que c'est que Mia, je crois. Je crois, j'ai été voir en plus tout à l'heure, mais je ne me rappelle même plus. Mais de toute façon, vous tapez sur YouTube Mia, alors MYAKHALDESI. C'est ça, et moi j'ai tapé ça sur, euh,
sur la barre de recherche et ça m'a mis carrément ses vidéos. Donc du coup, mais elle n'accorde pas mis sa chaîne parce qu'elle devait mettre tout complet et tout ça. Allez, je vous laisse avec qu'a fait la description du mail. Invite à aller voir dans mes TikTok, voilà les messages que j'ai reçus de la part d'une agence discrète. Du coup, là, je les ai retranscrits directement, voilà en français comme ça. Il n'y a pas. Alors, agence discrète ou agence secrète? J'ai pourtant compris secrète tout à l'heure. Oh, je me fais vieille, moi, si c'est pas ça que j'ai entendu. Je vais vous faire un petit tour tout à l'heure. Je vais voir ça tout à l'heure. Allez, je vous laisse, hein. À galérer. À galérer. Allez, je vous mets le message et on lit tout ça ensemble. Donc, je continue où je m'étais arrêtée. Notre principe de base est une sélection extrêmement minutieuse des femmes et une approche sérieuse du processus de casting et de sélection. Nous agissons en tant qu'intermédiaires entre nos clients et les modèles. Donc, tout ça, c'est ici. Attendez. Notre clientèle est extrêmement particulière et attend la compagnie des femmes selon des critères bien précis. C'est pourquoi nous souhaitons entrer en contact avec vous. En effet, vous répondez aux critères de certains de nos clients basés aux Émirats Arabes Unis. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'une semaine. Comment ça marche? Nous nous occupons de tout. D'abord, nous vous contactons pour connaître votre disponibilité. Ensuite, nous convenons avec notre client de la période souhaitée. Enfin, nous mettons en place tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit une réussite. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe avec la compagnie aérienne Emirates. Puis, nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Tout cela à nos frais. Parlons argent. Donc là, je vous mets la seconde partie du mail et vous voyez, ils me mettent Let's talk about money. Donc voilà. Et là, ils me disent clairement les prix. Donc, pour un accompagnement international comme le mien, ils payent 35 000 euros par jour et pour la semaine, 252. Paye 35 000 euros par jour et pour la semaine, 252 000 euros pour la semaine entière. Vous Voilà. imaginez? 200? Eh, attendez, hein. Là, les sommes, non mais c'est hallucinant, hein. Écoutez. International comme le mien, il paye 35 000 euros par jour et pour la semaine, 252 000 euros pour la semaine entière. Voilà. Ensuite, en plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. La moitié du paiement se fera avant votre départ pour la destination et l'autre moitié le dernier jour de votre séjour. Es-tu intéressé? Si oui, préviens-nous par email et nous discuterons des détails pour préparer ton voyage. Du coup, comme je suis quelqu'un de très très curieuse, j'ai voulu aller plus loin et j'ai ajouté le numéro WhatsApp en question. Donc, l'indicatif venait de Grande-Bretagne. Quand j'ai ajouté, j'ai vu que c'était un compte professionnel. Donc, j'ai eu pas mal d'échanges avec cette personne. Je pense que je vais en faire une vidéo YouTube parce que c'est beaucoup trop long. Mais je voulais quand même venir sur TikTok pour en parler parce que je trouve ça beaucoup trop grave, parce que je trouve ça incroyable et je comprends pourquoi des jeunes filles peuvent être attirées parce qu'on parle d'énormes sommes d'argent, mais derrière ce qui s'y cache, elles n'ont même pas l'idée dans quoi elles rentrent en fait. Donc voilà. Ah, mais c'est vrai, comme vous avez vu, comme je vous disais, du coup, ils leur font signer des contrats de confidentialité. Là, ils leur disent qu'ils viennent pour une semaine, donc du coup, ils signent un partenariat. Donc, comme je vous disais, ils signent un truc, et du coup, ils ont une somme d'argent au début et l'autre somme après. Mais le problème, ce qui se passe dans les chambres, c'est plus du tout la même chose qu'une promenade, qu'accompagner dans un resto, qu'accompagner dans une sortie, d'accompagner quelque part. Parce que les filles restent dans les chambres ou vont sur des yachts avec plusieurs hommes, soit qui font, vous avez vu ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo, ils leur font dessus, dans la bouche ou quoi que ce soit, soit ils les font manger leur... Ils les font vomir et ils leur font manger leur truc. Et souvent, les filles sont
invités, vous savez, dans les chambres, comme admettons, la première journée, ça se passe super bien. Il les invite soit à boire un verre, hop, et complice un peu tout le monde. Il leur met des drogues dans les minces, cela. Ils leur mettent des ting-tong dans la boisson. Les filles, ah bah, ils sont dans un état, vous savez comment aller, la du violeur, le LSD, le GHB pour le LSD. Le LSD, parce que j'ai entendu un truc avec une histoire avec la CIA et le LSD, hallucinant. Ah ouais, c'est hallucinant, hein. La CIA qui a fait un truc avec le LSD, mais grave, 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 on dit, mais on va où, on va où? Avec Elon Musk qui veut acheter Coca-Cola pour mettre des trucs comme ça dedans, on va où, hein, on va où? Donc, comme je vous disais, donc du coup, les filles, ils sont tunés, ils savent plus ce qu'ils font et tout ça. Les mecs, les gros milliardaires, les saoudiens, les trucs un peu chiants, parce que, hein, c'est pas que ces milliardaires-là, ça éclate dans cet endroit-là, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de suicides, hein. Il y a quand même eu des jeunes filles qui se sont. Une jeune fille, là, qui s'est suicidée parce que son nom est sorti et une vidéo d'elle est sortie. Donc, du coup, elle s'est jetée du 7e étage à Dubaï, je crois. Hein. Je crois, si c'est pas fausse, parce que des fois, il y a une blogueuse, ses infos sont pas très bonnes, là, des fois. Donc, je vous dis, c'est cette blogueuse-là qui l'a dit. Donc, je vous redis, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais son nom a été sorti. Du coup, elle serait sautée du 7e étage, elle serait suicidée à cause de cette affaire-là. Donc, c'est vrai que c'est. Bah, je suis désolée, mais si la fille signe un truc comme ça, en plus, une fois qu'elle arrive dans la chambre, tout se passe autre chose que ce qui était marqué dans le contrat, dans le partenariat ou quoi. En plus, il filme, il tout le tralala, et quand la fille eh bien, elle se rappelle plus trop de quoi et tout ça, elle veut soit porter, hein, ils lui font voir, tiens, regarde ce qu'on a de toi, ah titi, ah tata. Vous imaginez comment que ça peut blesser, que ça peut blesser les, ça peut détruire une vie. Et il y en a, on va pas dire que tout le monde, sont machinés. Il y en a qui acceptent en sachant vraiment ce qui s'est passé. Hein. Il y en a. Ils savent vraiment ce qui, pourquoi ils vont, pourquoi. Mais vous avez vu, là, elle a bien fait d'effacer le nom et tout ça de la personne, du truc. Parce que des jeunes filles, comme je vous disais, des jeunes filles qui sont perdues, qui veulent avoir de l'argent à tout prix, eh ben, ils voient ça. Parce que vous savez qu'il y en a, pour de l'argent, sont prêtes à. Il y en a beaucoup, pas, on va dire, beaucoup, non, pas, mais il y en a. Qui, comme on dit, il y a de l'offre et de la demande, hein. Alors, donc, il y a de la demande, il y a de l'offre, si tout le monde il y en a beaucoup qui arrivent à. Et là, surtout que là, quand on voit l'email, ils disent pas que tu vas y avoir des chiens, il va y avoir des chameaux, du caca, du vomi, plusieurs personnes, les enfants, tout ça, hein, de la PEDO, tout le tralala, les chameaux, et j'en passe. Hein. Et franchement, les filles, je les comprends, qui sont tellement détruites que. Et le pire, c'est qu'en plus, ils les envoient faire des belles photos, des trucs, et après, ils les remettent dans la chambre, parce qu'il y en a certaines. Ils sont carrément la semaine, même là des fois, et en fin de compte, apparemment, ça serait un grand, 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 grand réseau là-bas. Et c'est beau, on va dire, c'est beau, Dubaï, avec toutes leurs promesses, dès que tu fais une connerie, tu vas en zonzon, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Et il paraît. Quand toute la journée tout le monde travaille et quand la nuit s'éteint et les lumières s'allument, il paraît que Dubaï change tout au tout. Hein. Il y a une youtubeuse qui a fait qui avait pas fait une vidéo sur le scandale qu'on parle actuellement. Elle a fait une vidéo, hein, je me rappelle plus c'est qui la youtubeuse. Elle avait parlé elle avait raconté son voyage à Dubaï entre la prostitution, la tout tralala. Et je crois que le mec de salle, je sais pas quoi, l'hôtel,
lui a dit de faire très attention, parce qu'elle était avec sa copine, de faire très très attention, parce que le soir, Dubaï, c'était autre chose et tout ça. Et la preuve, parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues lui demander, ouais, tu viens, on va là-bas, là-bas. Des gros richemans avec leurs grosses bagnoles, tu montes, tac, 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 dès que tu as des mini justes, le cul bien refait et que tu ressembles à toutes les influenceuses qui sont refaites, qui se remettent du tout et du tout, eh ben voilà, si on voit bien le style de, on voit bien le style, si c'est vrai, des personnes qui vont, qui sont, par qui sont atterris les gros richemans, hein. Donc elle racontait que ce qui se passait, et elle s'était attendue, je crois que c'était 11h ou minuit, et il paraît qu'il y avait un défilé, mais un défilé de voitures qui s'arrêtaient devant l'hôtel, et à chaque fois, il y avait une escorte qui sortait, parce que ça peut être une influenceuse, ça peut être tout, hein, peut être n'importe quelle femme, même homme, hein. Hein, il y a peut-être des femmes là-bas, je ne sais pas, ou là-bas, mais il doit bien y avoir des grandes femmes qui sont riches, milliardaires aussi, et qui ont des fantasmes aussi débiles que les hommes. Hein. Je pense aussi, hein. Parce que, c'est pareil, j'ai vu un youtubeur qui disait que c'est vrai qu'on parlait beaucoup des femmes, mais qu'on parlait pas des... non, je crois que c'est Fred qui a dit ça, Fred des anges, qui a dit qu'on parlait beaucoup des femmes, mais on parlait pas des hommes aussi qui faisaient ça, qui pratiquaient ça et tout ça. Donc, voilà, donc je voulais vous dire, vous avez vu hein, comment que les mails, toutes les filles qui ont un certain standing, une certaine visibilité. Plus elle a de visibilité, plus le montant est astronomique. Hein. Ils en ont parlé dans TPMP. Ceux qui me suivent, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui regardaient TPMP. Vous avez vu, hein, les sommes, ça dépend de la visibilité. Ça dépend après la meuf, comment elle est, la plastique, je pense qu'elle doit avoir. Et puis bah après, mais c'est dingue hein, parce que sur le tas de personnes, il y a une partie, malheureusement, qui pensent que c'est la vie de rêve, mais au bout du compte, c'est le cauchemar qui arrive pour eux. Ils ont les sommes, ils sont riches les filles, mais ils sont détruites. Et faire ça, ces actes-là, soit sous qui les ont pris comme ça, ou surtout que les sommes, moi, je vous dis franchement. Moi qui a besoin d'argent, je peux avoir un mail comme ça. Non, 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 non. Même accompagner un homme ou accompagner une femme à un dîner ou toi, même ça, non, 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 non. Je préfère rester dans ma MERDE. Franchement, je vous dis, hein, je préfère rester dedans que de faire tout ça. Mais c'est pour ça que je voulais refaire cette vidéo-là pour que bon, je sais, hein, j'ai pas une grande visibilité, hein, pas beaucoup, mais au moins pour le si peu, s'il y a des jeunes, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais il y a quelques jeunes, et surtout des jeunes filles, même des jeunes filles à 25 ans, même 30 ans, bah, qui dit que ça, là, des fois, hein, il y en a des personnes de 30 ans qui font très jeunes et qui peuvent recevoir des mails, hein, parce que cette jeune femme-là, elle doit avoir pas loin de la trentaine, hein, je pense, comme elle a des enfants et tout ça, c'est une mère célibataire, je pense qu'elle est pas loin de la trentaine, je peux me tromper. Mais je pense. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour. Et moi, je voulais quand même prévenir, faites attention avec les mails bien alléchants, avec des sommes astronomiques. Et en plus, qui vous dit que le standing, qu'ils font très un bon casting, qu'ils font si pour des personnes bien, faut être allé, et que tu t'offres tout ce que veut, c'est ah, vas-y, ouvert la porte, vas-y, dis bien et tout. C'est vrai que ça fait rêver. Mais une fois que les portes de la suite se ferment, c'est tout autre. Alors surtout, faites très attention aux mails, aux collabs. Surtout, faites très attention. Surtout si vous voyez agence secrète ou agence discrète, je ne sais plus ce qu'elle disait. Ah bah tiens, je voulais aller voir, je vais voir tout de suite. Non, c'est bien agence secrète. Hein. Donc, agence discrète qu'elle a pris après. Hein. Regardez, je vous mets bien, hein, c'est bien. Agence secrète, qu'elle a dit. Regardez. Basée sur Regarde. Genève, Londres, Moscou, le Voilà. profil. Et le profil, en fait, il n'y a rien sur le profil. Il y a juste marqué agence secrète basée sur Genève. Vu? C'est agence secrète.
Hein, c'est pas. Et après, elle dit discrète. Donc c'est pour ça, ça m'a mis un peu le trouble. Je suis, si je dis pas la même chose après, je dis une autre chose et que j'ai mal compris, je dis qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Je dis, oh, ma communauté va penser quoi de moi? Ben, on dit, déjà, on me dit que je sais pas lire. Alors déjà, ah, ça m'agace de dire qu'on sait pas lire parce que surtout que à chaque fois, soit c'est écrit trop petit. Ou c'est eux qui écrivent mal leurs mots ou leurs phrases et du coup bah moi je dis la phrase et ça alors ça c'est agaçant donc voilà donc c'est agence si vous voyez agence secrète ou agence discrète ou quoi que ce soit qu'elle est basée vous voyez là surtout et qui vous dit c'est juste par accompagner hein, des personnes des personnalités hautes en couleur non. Ne le faites pas, ne le faites pas, n'allez pas vous détruire votre vie. Hein. Si vous voulez faire escorte, faites-le, restez par ici, mais faites attention parce que surtout quand vous signez des trucs, ne signez pas n'importe quoi. Dites-leur bah, pourquoi vous voulez, pourquoi que vous voulez que je dise, hein, si vous couchez avec moi, vous couchez avec moi, mais c'est vrai, je sais pas, t'enlèves les portables et tout, si y a pas de preuve de filmer, c'est quand même chelou quand on te dit, on va signer un contrat de confidentialité avant que tu montes et tout ça, qu'on se voit et tout ça avec le grand patron. Hein, tu dis, c'est quand même louche, mais c'est vrai, 56 000 euros la journée, 252 000 euros la semaine. Bah franchement, faut mieux prendre les 56 000 euros la journée, hein. Parce que normalement, il y a 7 jours. 7 fois 5, 35. Normalement, ça devrait faire 350 000, normalement. Se faire naquer si elle se prend la semaine. Non, vous voyez, donc c'est pour ça que je voulais vous prévenir que si vous avez des personnes, vous recevez des mails comme ça, parce que vous pouvez être bien connu. Ou même pas avoir une grande visibilité, mais être très très belle, être un peu le style de personnes de style de personnes qui veulent de comment dire merde de, oh merde de bah, vous voyez un peu ce que je veux dire de avec des formes voilà hein bon bah voilà donc faites très 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 attention à tout ça hein parce que c'est chelou et vous avez vu toutes les influenceuses qui sont connues, qui ont de la visibilité, ou même qui passent pas à la télé, hein, qui ont une bonne visibilité sur Instagram ou quoi que ce soit, et en plus, il y a Maïsan qui dit qu'ils prennent leurs adresses personnelles. Elle a eu un email dans son adresse personnelle. Donc, quand même, c'est qu'il y a bien comment dire, une mère maquerelle qu'on dit qui fait partie de tout ça. Qui envoie un peu les trucs à tout le monde pour que, bah tiens, prends celle-là, elle a l'air d'être chaude, elle va peut-être accepter, celle-là, si, celle-là, ça, je ne peux pas savoir, hein. Donc voilà, eh ben moi j'espère que ça vous aura plu quand même cette vidéo-là, hein. Je voulais juste vous mettre au courant des mails, comment ils font pour appâter les personnes. Voilà, bah, alors j'espère que tu auras quand même passé un agréable moment quand même, tu auras passé. Le temps, un bon moment avec moi et un bon temps. Ah, j'ai bafouillé là, j'ai vraiment bafouillé là, j'ai cherché ma phrase là, carrément. J'espère que tu auras passé un agréable moment. Voilà, moi en tout cas, je me suis bien marrée avec vous. Pas marrée, mais j'ai passé un bon moment. Voilà, donc si vous voulez aller voir son TikTok, quand je vous dis, hein, c'est Mia Khaleesi, hein. Où vous allez voir, pour l'instant, elle n'a pas fait chaîne YouTube. Bon, si ça t'a plu, hein, puis que tu passes toujours, allez, tape-le, allez, tape le coup, tape sur le doigt, allez, abonne-toi, hein, fais partie de la team. Hein. Tu vois, ça m'arrive souvent de bafouiller comme ça, pas savoir, mais bon, c'est comme ça que j'aime bien faire mes vidéos. Donc, bah, si t'aimes pas la simplicité, le naturel, bah, si tu préfères que ça soit correct, que ça soit, allez, hop, bonjour, intro, le sujet. Hop, le générique de fin, pam, au revoir. Non. Je ne sais pas si je vais continuer comme ça, mais pour l'instant, ça me plaît comme ça et ça me plaît à une partie de mes abonnés, donc tranquille. Mais toi, hein, viens, allez, likez et puis vos petits commentaires
Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. T'oublie pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, bim, bam, boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, et puis merci, merci encore à vous tous. Bisous, bisous!